Plop, la VOD, plop les gens. Alors, où est-ce qu'on en était depuis IRL, c'était hier. J'ai pas enregistré les deux épisodes à la suite de ce week-end. Alors, donc moi, m'échapper, on le fait très rapidement. L'astrologue, on lui avait donné les outils de restauration. Maintenant, il lui faut de l'acide. On n'en a pas encore fabriqué aléatoirement. Je suppose que c'est comme ça. Serpent, le Necronomicon qu'il faut voir avec l'astrologue, mais pour ça il faut l'acide. Le marchand, les 5 deniers, ça m'embête un peu. Par contre, les caisses, on sait comment les faire. Il faut juste les envoyer et ça va nous rapporter des sous, donc ça va être bien. Et la renommée, voilà, comme ils l'ont appelé, ça devrait aller. Mademoiselle Charme avec Serpent, c'était une histoire du bossu du fort voisin, mais j'ai pas tout compris ce qu'il faut faire, donc ça, bref, je sais pas trop. Et l'évêque, voilà. Dans les technologies, j'ai vu plusieurs choses intéressantes. Déjà, je sais pas vraiment si c'est faisable, puisque ça m'a l'air tout grisé. Mais je peux faire carrière de zombie pour du marbre, quoi. Non, il veut pas. Ah oui, non, d'accord. J'avais pas vu le lien qui va d'extraction de marbre à carrière zombie carrière 2. Autant pour moi, ça me semblait bizarre que je l'avais pas fait plus tôt, moi aussi. Non, c'était cette gâchette-là. Ce que j'ai vu aussi, boucher doux, pour éviter de faire des erreurs médicales quand on extrait toutes ces pièces des cadavres, je crois que ça enlève pas à 100%, mais ça réduit. Ça me paraît très, pas important, mais intéressant à voir bientôt. Peut-être ça aussi, poste de préparation 2, si ça se trouve, ça doit nous apporter quelque chose. Je ne sais pas quoi. Là, bon, il y a plein de trucs pour améliorer l'église, très bien. Ça, je vais y revenir juste après. Le zombie jardinier, il m'intéresse beaucoup, mais je vais attendre un petit peu. Il m'intéresse beaucoup pour faire des citrouilles ou des oignons à l'infini, pour avoir des burgers et des caisses, voire que des caisses. Donc, ça se trouve, faire juste des oignons à l'infini, comme ça, je fais une partie dans les burgers, une partie dans les caisses, et ça ira très bien dans les caisses de vente. Par contre, oui, voilà ce que je voulais dire. C'est que ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'avec les livres et même un peu avant, on peut partir des histoires et créer des et ça nous donne du bleu en fait, en générant la suite. Du coup, je sais faire du jus de zombie pour pouvoir avoir des zombies. J'ai une recette, si je peux avoir ce truc là qui me fait des histoires, que du coup je peux transformer en bleu, et après mettre le générateur de texte aléatoire pour avoir un zombie qui me crée des histoires tout seul en continu, et moi je récupère ça, j'en fais des chapitres, j'en fais ce qu'il faut derrière pour avoir des livres, pour avoir du bleu quoi, pour avoir ça se trouve même le zombie. Non, le zombie en général il me donne pas de bleu de ce qu'ils font. Donc je pense que je vais faire ça. Ça me paraît plus sûr de prendre ces deux-là que l'inspiration de l'écrivain. Et ça me permet d'avoir la ressource de base pour faire les livres. Donc je vais faire ça. Et après, dès que j'aurai 5, c'était où ? Je ferai le zombie au potager et puis. Enfin, normalement ça devrait tout me débloquer. Si j'ai bien tout compris, si j'ai bien tout fait. Voilà, avec les chapitres, j'aurais dû faire plus de chapitres et. Bon, les livres, je crois que c'est que maintenant que je les ai, donc. Que l'épisode d'un précédent. Donc on va prendre recette histoire. Jour de la femme. Je crois
crois que je suis allé la voir la dernière fois et qu'il n'y avait rien d'intéressant. Je vais quand même vérifier. On va regarder quand même, est-ce que... non, normalement ça nous a rien donné. Le broyeur d'alchimie... Non, on n'a pas fait ça. Ça peut être intéressant. Je pense que ce truc-là, broyeur d'alchimie, c'est l'inverse du... Enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est le complément du mélangeur à main. Le mélangeur à main, ça transforme en liquide. Et le broyeur, on dirait des petits tas de sable dessus, donc ça pourrait transformer en poudre. Alors... Non... Là! Histoire. Voilà. Évidemment, j'avais pas pris en compte que ça aurait un coût. Le coût, c'est pas tant le papier propre. Le stylo et encre, comme je l'ai déjà expliqué, c'est plutôt de l'argent. Le coût, c'est vraiment la foi. Donc le bleu, maintenant, il est limité par la foi que je peux produire et donc par le nombre de... simplement par la foi. Et si je prends écrivain et ou dramaturge, ça augmentera la qualité des histoires. Donc écrivain et dramaturge. Dramaturge, il est là. Son bleu, ça veut très clairement dire bon, c'est bon, j'en ai marre de faire des chapitres de mauvaise qualité, des histoires de mauvaise qualité. Je veux être dramaturge. Par contre, écrivain, c'est ici. Et ça, c'est faisable. Générateur du texte aléatoire, du coup, ça doit faire en sorte qu'un zombie prenne autant de papier... C'est quoi? C'est papier et foi qu'il faut avec le... et qu'il utilise le stylo et encre pour créer des histoires. Je vais en créer une, déjà. Juste pour voir. Voilà, ça me donne un de bleu. C'est pas grand chose, donc au pire, si c'est le zombie qui se gagne un de bleu, tant mieux pour lui, quoi. Par contre, ouais, par contre, si j'ai besoin de foi aussi ici, non, c'est pas ça. Chapitre, c'est ça, j'ai pas besoin de foi ici, très bien. Et pour ça, il faut des notes, d'accord, oui, c'est en train de me revenir. C'est en train de me revenir, il faut que je fasse 3 notes pour avoir un chapitre. Ça m'a donné 3 de bleu, c'est ça? 6, 7, 8, 9, oui, c'est ça. Donc faire des notes en soi, ça me donne 3 de bleu. Ce qui est bien. Pas beaucoup, mais bien. J'ai plus d'encre apparemment, c'est pas bien. Ce qui fait que je peux faire un chapitre. Je vérifie, voilà, très bien. Je vais plus avoir assez d'énergie. C'est pile poil. 2, 7, 5, 5. Là, je regagne 5 de bleu, c'est très bien. Et livre. Mince, livre. Il faut le... Enfin, la couverture, c'était où? C'était là. Il faut du papier en peau de porc. Là. Hop. Et. Non, c'était encore en dessous. Et là, je peux me faire un livre de qualité. Un joaillier, vous avez le nez pour trouver des gemmes, donc vous en découvrirez plus souvent. Vous savez également fabriquer de magnifiques bijoux. D'accord. Donc joaillier me permettra de faire des meilleurs livres. Parce que de mémoire, il n'avait pas cette tête-là, le livre. Voilà, moi, c'était un livre... Ou alors le livre fermé. C'est seulement si on a pris des... non, parce que là, c'est avec... Si on a pris
des bonnes reliures, quoi. Cadavre. J'ai oublié de prendre le jus zombie. Ce serait bien que j'évite de marcher. Alors, on va prendre le sang, on va prendre le... Oh. Allez, prends-moi un petit coup là, un petit peu de vin. Tu feras des meilleures opérations. Exactement ce que je craignais. Mais je suis pas sûr que le vin est un rapport. Peut-être. Si ça se trouve, c'est un rapport, mais c'est pas indiqué. Je crois que je prenais la chair. Pas pour la viande. Pas pour le. Vendre la viande telle qu'elle, mais pour. Voilà, 10 de foie. Ah, j'avoue. J'ai plus assez de fois pour faire autant de zombies que je voulais. Non, c'était pas là. J'en prends 10. Et je prends... Je sais plus ce que j'en fais. Ah oui, il faut le décomposer. Peut-être qu'ils se vendent. C'est plus rigolo de le décomposer. Enfin, plus. Ça a une utilité à moi qui m'est directe, quoi. Bon, bah, Mademoiselle Charme, j'ai pas été la voir, mais c'est pas très grave. Faut que je. Ressusciter. Voilà. Où est-ce que je veux l'emmener, celui-là? Où est-ce que je veux l'emmener? Déjà, tu vas te mettre ici pour le moment. Je pensais que ça allait être l'eau qui allait me limiter, je sais pas pourquoi. Alors. Je viens pas de récupérer. Ah, bah si, mais je les ai remis dedans. Voilà. Ici. Non, c'est pas ici le sang. Le sang et la graisse, je les ai mis où? Tout de suite, j'ai un doute. Doute. Ah si, je les ai mis là. La chair, par contre, fallait que je la remette chez moi. Du coup, je vais emmener la caisse, c'est pas si grave. Au moins, je verrai comment ça marche. Prendre. Ouais, ça va, c'est pas... Pas comme si il me faisait oh j'ai du mal, au secours c'est lourd. Hop. On est en ville. Ah bah il est en train d'arriver. Donc il ne rentre pas dans le bâtiment. Parlons affaires. Oui, la réputation, ça aurait pu être bien. Je sais pas si ça débloque vraiment quelque chose, mais... Ah, le tissu. La soie. Je crois que c'est de la soie qu'il fallait pour faire des bandes de qualité. Donc on va voir... Bah non, j'ai plus de... stylo et encre. J'allais dire, on va voir pour faire quelques prospectus en plus. Mais ce n'est pas possible. Alors... Je vais quand même faire ça, parce que ça, avec beaucoup de chance, je dis bien beaucoup, quand c'est un zombie qui le fait, il a pas besoin de foi, quand il écrit. Oula, c'est quoi cette police? Si je prends ça, c'est une police normale, là.
on fait tout rentrer dans la petite case au lieu de faire deux lignes. On prend ça. Donc je suppose que si je mets un zombie là, il transporte toutes les caisses directement. Ouais. C'est plus pour avoir, pour ne pas y penser. C'est pas, t'as pas un poids en mode c'est lourd ou je ne sais pas quoi. Alors. Au moins, stylo et encre, on l'utilise une fois, après c'est fini. Faudrait que je réussisse à créer de l'encre. Enfin, en acheter. Si je vérifie. Là, j'ai de l'encre. J'aurais pu tout vérifier du même côté. C'est pas grave. Prospectus, il faut aussi tirer encre aussi. Il me faut 3 plumes. Je vais vérifier si je les stockais, mais je ne crois pas. Je sais que j'achète plutôt des œufs que des plumes. Ah, j'en ai une. Il faut que j'aille en acheter 2 autres. Non, c'est bien ça. Oui, c'était les asticots qui ont attiré mon regard. Je vérifie quand même. Bah, j'ai du papier. Soupe de poisson. ça me fait penser que je vais pouvoir faire monter cette soupe-là, peut-être. Je la pose ici. Hop. Plume. Mais non. Je m'en fous des carottes. Non, je m'en fous des choux. Non, je m'en fous du blé. Non, les oignons, ils ont pas dû être finis. Ça, c'est pas fini. Alors, ça, on met là. Non. Ah, je voulais mettre ça en bas. Tant pis. Tant pis. Est-ce que, par le plus grand des hasards, je peux déjà refaire une caisse? Non. Très bien. Enfin, il me manque des citrouilles. Ah oui, il faut plein de graines. Il faut plein de graines pour les zombies, j'avais oublié. J'avais complètement oublié. Mais vu que je ne sais plus combien, je sais même pas qu'est-ce que je vais... Si, des plumes. J'avais dit qu'il m'en fallait 3. Heureusement que j'avais pris de l'encre en réserve. Je pense que les plumes, par contre, on peut pas les produire nous-mêmes. À moins que vraiment on ait une poule à un moment, à nous. Les plumes et les œufs, ce genre, des trucs comme ça. Qu'on ne pourra pas. Oui, ça coûte pas grand chose. Bon, alors pour avoir les prospectus, pour avoir le. Pour avoir le niveau 3 avant que le marchand s'en aille, je pense que c'est raté. Donc je passe par le sous-sol. Pim pum, pili pim pum.
J'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il fallait là-bas. Donc tant pis pour le prospectus. C'était ici. Oui. Ouais, l'encre. Soit le seul truc, c'est la peinture noire. C'est... Je ne sais pas comment on fait de la peinture noire. Ah oui, ça m'en donne 3 par contre, le fer. Oh, c'est rentable. Je pense que c'est rentable d'acheter plutôt des ingrédients. Je sais plus, j'avais dû faire le calcul quand même. Quatre planches de fer, pièces de fer complexes. C'est non. On sait déjà qu'on peut manger quelques pommes. On extrait le sang. On continue avec les graisses. La graisse. Et non. Lui, il est parfait. Pam 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 pam. Est-ce que j'ai 10 de fou? Oui. Et un jus de zombie. Voilà. La tourbe que je voulais le moins, entre la tourbe et les asticots. Alors. C'est bon. Non, pas vraiment. Le sang et la graisse, c'est au niveau du... Faudrait que quand je prenne le jus de zombie, je pose le sang et la graisse, en fait. C'est tout. C'est pas compliqué. Ça, j'avais dit que je le posais ici avec tout ça. On a dit non, 4 planches et 2 pièces de fer complexe. Planches, ça suffira. Les pièces de fer complexes, j'ai vu, j'en ai déjà. Bon, en fait, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si, du coup, il me reste 36 de bleu. Je peux regarder les zombies, la ferme zombie, c'est ce que j'avais dit. Mettre des torches partout, ça peut être joli. Avoir un fourneau plus haut, plus puissant et des pièces, ça peut être sympa aussi.
Je regarde un petit peu tout. Oui, le minerai, les minerais bizarres, ça peut être cool. Boucher doux, j'avais dit ça. Alchimie avancée. Cube à distiller. Alchimie avancée, ça peut être bien. Je vais prendre ça d'abord. Ça non. Et le zombie jardinier. Un truc qui me manque un peu, ce serait... Mais j'avais pas 40. Améliorer le... l'écriture. Digestion, on s'en fiche. Faudrait... Je veux d'abord faire de la bière avant de la digestion. Mais pour ça, il me faut du houblon. Ok. Je pense que je vais me garder lui ici pour travailler un petit peu. Et il me semble qu'il m'en manquait un là-bas en haut. Serpent, on s'en fiche un petit peu. Pas besoin de le voir. À moins que ce soit pour lui redemander ce que j'ai pas bien compris la dernière fois. Ah si, parce que je l'avais vu, le bossu. Je l'avais vu, le bossu. Oh, deux abeilles. Oh là. Je crois que j'étais à 7 dans le coffre. Donc là, j'atteins 9. Il faudrait deux zombies ici, là, pour me ramener du bois. J'ai assez d'abeilles pour en faire, faire une autruche. Bon, c'est pas hyper important. Alors. Ok. Toi, au final, ça va. Si je te mets à faire la pierre avant le fer, ça va. C'est bizarre. Normalement, les deux devraient pas avoir une grande importance. Je pourrais faire une deuxième station de porteur, peut-être. Si ce coffre se remplit trop vite, c'est ce qu'il faudrait faire. Serpent, d'accord, mais on va quand même dire bonjour à Clotho avant. Notre sorcière bien aimée. Notre fée des champs. Fée des marais. Cette huile là, c'est avec la graisse. Mélangeur à main. Je ne sais pas trop. Potion de berserker. Vous infligez de lourds dégâts, mais vous perdez des cœurs au fil du temps. C'est vrai qu'elle vend que deux par deux. J'aurais voulu faire un plus gros stock. En même temps, j'ai pas de foi, donc faire un plus gros stock ne m'avance pas grand chose. Une pomme d'or, c'est super, ça doit être pour faire les trucs finaux.
fois parce que ça coûte moins cher. Et qu'au final, même si je suis pas en déche d'argent, c'est pas cool de gaspiller. Un jour je trouverai comment faire de toute façon, donc. Enfin, normalement. Alors lui, c'est pour l'enterrer. J'ai pas assez de... Je n'ai pas assez de... De foi, voilà. Ah non. Oh, j'ai plus de pelle. On va quand même essayer d'aller voir Serpent tout de suite. Je l'avais un peu zappé. Il y a beaucoup de choses à en parler en fait. Surtout que j'ai une fâcheuse tendance à penser un truc et au moment où j'ai fini d'y penser, le zapper. Des fois j'y pense vraiment fixement. Du coup, c'est... Ah oui, il fallait que je fasse ça. Ah oui, j'étais en train de faire ça. Ah oui, je... Donc Serpent, c'est fini. C'est trop tard, tant pis. Faut que j'extrais des crânes aussi, j'avais oublié pour les... la pelle, faut que j'aille chez moi. Il faut que j'extrais des crânes pour les... pour la beauté du truc, là. Je ressors, je prends tout ça, oui, pierre aiguisée, boum, 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 boum. Voilà. Il est passé de très frais à ouais, 93% seulement. Non, pas obligé de le creuser tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Tout ça que je n'ai toujours pas posé dans mon coffre. Il faut que je prenne le bois que je pose dans mes coffres à l'intérieur. Je fais le générateur aléatoire, histoire aléatoire. Alors, oh, il l'a mis dans l'autre, c'est ça. On va mettre une planche ici parce que je suis plus habitué. Oui, non, mon coffre à moi, on a dit. La viande. Je vais me garder les abeilles sur moi. Je peux poser les trucs en verre ici. Je vais aller dans les coffres du sous-sol maintenant. Est-ce que ici il y a. Non, j'ai oublié la cire et le miel. Le miel il est là. La cire, je crois qu'elle est à gauche. Dans tous les cas. Pouet, 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 pouet. Pouet, pouet, pouet. Pouet, 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 pouet. Oui.
ça. Pas besoin de créer tout de suite d'autres jus de zombies. De toute façon, déjà les deux qui sont à prévoir, je sais pas forcément tous où les placer. À part, si, sans compter la forêt, évidemment, la Syrie va m'en pomper pas mal. Et le générateur de texte aléatoire. Est-ce que je le mets là? Ça me paraît pas mal. Sinon, ici, ça te paraît presque mieux. Comme ça, il est pas sur le trajet, en fait. Et non, il n'a pas besoin d'être construit. Histoire, il ne faut que du papier. Livre, il ne faut que du papier. C'est magique. Alors, X... non, X c'est celui-là. Mince. Ça. X. Et tu t'en produis à l'infini. Parce qu'au final, le papier propre... Enfin, si jamais je ramène du sable et du et des bouquins ici, j'en ai pas besoin. Je refais X. Et tu vas me produire un livre et une histoire. Inquisiteur, très bien, tout le monde s'en fiche. Prière de la foi. Oui. Mais un de fois quoi. C'est pas des masses. Oui, c'était bien ça. Alors j'ai 13, 11, 3. Faut que j'aille devant chez moi. Que je récupère mon zombie. D'ailleurs, pourquoi j'ai toujours ça sur moi? Ah oui, on voit efficacité de travail et le nombre de crânes qu'il a. Donc là, il est en train de faire un livre. Ok. Ça n'a pas l'air très rapide. Ça n'a pas l'air rapide. Vous savez quoi ? Tout enlever comme ça je saurai ce qu'il a créé exactement, parce que moi et ma mémoire, je suis à peu près certain que si vous me l'écrivez pas dans les commentaires ou dans le chat, mais dans les commentaires je pense plutôt, je les aurais oubliés. Et vu que au moment où je l'ai fait, je ne vous l'aurais pas, bah, si là en fait j'aurais pu vous le dire. Bref, tant pis. Jour de l'Inquisiteur, tant pis. Oh, on voit palette. C'est marrant. Je pourrais faire une ruche. C'est pas très important. Je voulais voir combien d'argent m'a rapporté la vente de caisse. Normalement, je le savais déjà, mais... On peut le voir quand même. On peut récupérer la caisse quand même. Argent total 10,75. Très bien. Caisse en or. Oui, caisse de marchandises rapporte 15. Ok. Les caisses de marchandises rapportent plus que les caisses en argent. Mais moins que les caisses en or. Pour
Pourquoi je m'embête avec les caisses en argent alors? Je l'ai déjà pris le... Ouais, j'ai déjà pris le zombie jardinier. En soi, je peux faire une production de vis ou de je ne sais trop quoi. Mais... Et ça suffit. Alors je vends ça. C'est tout. C'est quoi ça déjà? Pierre de foyer. Peut-être que c'est un truc pour rentrer chez soi en TP. Bref. Alors, ensuite. Tac-tac, jardinier. On peut regarder les. Ah! Je sais pas combien de graines il faut. J'ai pas regardé. Je veux dire, on peut acheter des graines en passant, mais j'ai pas regardé. Donc ça sert pas à grand chose d'aller acheter je ne sais plus combien de graines. En fait, je me suis toujours pas reposé depuis tout ce temps. Dans le jeu, évidemment. Ça avance lentement. Alors on récupère ça. Faut pas oublier de récupérer le crâne cette fois-ci. Sur la palette et on va aller se coucher. Parce que là je sens très bien venir. Et tant pis pour les légumes que je n'aurais pas fait pousser en boucle. Non, c'est pas dehors là, se coucher. Bon, tant que je suis là. Voilà, on boit un petit peu d'eau. Le temps que ça se passe. Plat en or et le troisième en argent. Enfin, au moins en bronze, mais parce qu'entre le bronze et rien du tout. Mais si on veut être sûr, à peu près sûr, deux plats en or et un en argent, quoi. C'est beaucoup trop pour moi. Mais bon, au final, la ferme zombie est aussi censée gérer ça. Alors. Combien il en faut, le sang et tout ça, c'est là-bas. J'allais même vous dire que j'ai oublié ce que je faisais avant de me coucher. Heureusement, j'avais tout le parfait attirail du cadavre à moitié décomposé sur moi pour me souvenir qu'est-ce que j'étais en train de faire. Là, il n'y a plus de carottes. Boum, boum, boum.
quand ils sont sur la palette, ils décomposent pas beaucoup. Un peu, mais ça va, quoi. On va regarder. Je sais que j'ai toujours les abeilles sur moi. Tant que c'est la journée et que du coup je peux le faire. Ah mais j'ai des oignons ici aussi. Oh là là, je suis un poulet. On va regarder ce que c'est. Combien de graines ça coûte. Ah non, la ferme de zombies en elle-même ne coûte. Donc 10 clous, 3 pièces de fer simple, 5 planches. Planche, un clou, ça je crois que c'était à 5. Fiche, voilà, et des planches. Je crois que c'était ça. Masse d'énergie de faire ça. C'est long. Voilà, fabriquer. Je pense que c'est aussi pour nous empêcher d'être dedans. Alors j'ai assez pour faire des carottes à l'infini. Super. Non, ce que je veux, c'est des citrouilles ou des oignons. Donc il en faut 24. Ah mais il fait que de la qualité pourrie. Ah non, j'ai eu peur. J'étais en mode. Ah mais on peut faire de la. On peut l'améliorer en qualité 2 et tout, mais. Bon alors déjà j'avais oublié plein de choses dessus. Oui, donc ça ne fait que de la qualité pourrie. Il faut sûrement que je fasse de l'engrais, c'est ça? De l'engrais de qualité. Et j'étais en mode, oh non, j'ai gaspillé tout mon engrais de qualité et tout. Alors qu'en fait, non, l'engrais de qualité, c'est l'icône de droite. Et moi, ce que j'avais réussi à faire, c'était l'icône de gauche. Donc ça va. J'ai déjà quelques. Je vais me faire quelques vis de plus, quelques planches de plus. Je fais tout le tour dans ce sens là, c'est pas plus rapide, mais bon. voilà, en espérant que c'est tout ce qu'il fallait pour faire une ruche. Sinon, bah je reviendrai. Ah d'accord. Là, il y en avait une. Je me disais bien que je la voyais pas, mais que je me souvenais qu'il y en avait une. Hop là. Des doses. 4.
c'est logique, les abeilles, elles ont pas besoin d'une planche bien régulière, elles veulent des impuretés en plus. On a listé 4. Moi d'un grand doute. Pourquoi ça prend pas la même place construit que pas encore construit? Ça m'embête, je peux pas vraiment regarder du coup. Si, avec retirer. 2, 3, tac. Ça prend tout ça. La construction. Pourquoi ça prend 3 par 3 à la construction et une fois construit ça prend plus que 2 de haut, 2 par 3, 3 par 2. Bref, tant pis. Tant pis, au moins je saurai et ce n'est pas aligné du coup. J'ai déjà assez déblayé, surtout que ça ne me sert pas à grand chose. Alors, ça je pose. Ça aussi, ça je pose à droite. Même plus combien il fallait de graines. Ça je pose. Non. Boum boum. Pim pim boum boum. Toujours pas fini, pas ici, mais là. Par contre, les ailes de chauve-souris, c'est bien ici. Ça aurait été bien qu'ils puissent transformer aussi les ailes de chauve-souris en papier. J'allais oublier de faire le serment. Dire la bénédiction, ça peut marcher aussi. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. Ah, j'aurais pu prendre le... Donc sont les bienvenus. Superbe sermon. Je regarde même pas, ça me rapporte quelques centimes. Ça se trouve, je suis même pas vraiment obligé de le faire. À part pour les bonus de la foi. Alors, s'il faut reposer la foi et le serment derrière. Je peux créer un zombie par semaine, en fait. C'est bien. Qu'est-ce que je fais? Oh, en fait, ça fait déjà une bonne cinquantaine de minutes. Avant de me lancer dans autre chose... Peut-être que
que je vais pouvoir arrêter cet épisode ici. Poser l'engrais, renoter, même si j'oublierai forcément, possiblement, je sais pas, le nombre de graines. Alors, ça tu peux pas. Tu peux faire des lingots d'acier. Pile poil. Plus je devrais le retenir le 24. Le 24, je devrais le retenir. On va se faire quand même les légumes là. Ah, il me manque un. Pourquoi il y a burin en acier gris? Ah oui, parce que lui c'est pour le transformer ou l'améliorer, mais on ne sait pas. J'ai quoi là, forgeron? Il me manque ingénieur. C'est rigolo, mais faut savoir à quoi ça sert. Si, c'est parce que j'ai fait. Ok. Je me demandais ce que ça affichait ici. Allez hop. Voilà. Et sur ce. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à interagir avec la vidéo. Voilà. À bientôt.